facile avec la machine à rêve. Ah, toi aussi, tu trouves qu'elle va pas très bien? Ah, je vois quel est le problème. Par bonheur, j'ai réussi à la réparer. Dis-moi, pourquoi as-tu appuyé sur toutes les touches en même temps? Moi? Quelle touche? Celle de la machine à rêve, évidemment. Ah, celle-là, oui. Bon, en fait, j'étais en train de penser intensément au rêve d'Olivia. Et alors, je faisais les 100 pas, juste là, comme ça. Et puis, c'est parce que ça m'aide à réfléchir. Et la mère cadeau m'a fait super peur. Alors du coup, je suis tombé, peut-être, oui, sur une touche, là. Mais j'ai pas fait exprès, vraiment. Pas mon genre. Je ne crois pas, Sefaribol. Je pense que tu as cassé la machine à rêve volontairement. Moi, j'aurais cassé ta machine exprès. Même pas du tout. C'est pas ma faute, moi, si ton machin truc bidule... La machine à rêve. Oui, ta machine à rêve, c'est pas de ma faute si elle fonctionne pas. Mais ma machine à rêve fonctionne très bien. Bon, je vais te le prouver. Quel était le rêve d'Olivia? C'était un rêve merveilleux. Olivia était au zoo et elle s'occupait de plein d'animaux. Et alors dedans, il y avait les cochons d'Inde. Il y avait la petite maman cochon d'Inde et c'était petit bébé derrière. Et alors elle les peignait tout doucement et ils étaient tout contents. Et alors ils faisaient plein de petits bruits comme ça. C'était vraiment beau. Animaux, adorables. Soignez les animaux, bébés. Le set de jeu, maman surprise, cochon d'Inde. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je regarde si le paquet correspond au rêve d'Olivia. Mais bien sûr que c'est le bon! Ma machine à rêve ne se trompe jamais! Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est pas toi qui as vu le rêve, c'est moi. Je dois vérifier que c'est le bon cadeau. Mais arrête, je t'interdis d'ouvrir son paquet! Qu'a dit Saint-Nicolas? Que tu devais arrêter de jouer avec les jouets des enfants. Pas vrai? Je joue pas. Je les teste, voilà. Et est-ce que tu as fini d'inventer des trucs pour la cuisine? Parce que... je ne sens pas beaucoup d'odeur de biscuits. Mais oui, est-ce que je dois prévenir Saint-Nicolas que j'ai tellement mal au ventre, tellement j'ai faim? Comme tu as l'air trop bien dans ta cage, madame le cochon d'Inde. Je vais te faire sortir quand même un petit peu, d'accord? Allez, hop, on ouvre les barrières. Regardez qui voilà. Comme tu as les poils tout longs et tout doux. Petit brossage quand même, hein? Regarde ça. Voilà, dans le sens du poil. Comme tu es belle. Et puis, mais t'as l'air d'avoir faim. Tu veux manger la petite feuille? On va manger la petite feuille, on a faim. Ça, c'est parce qu'on va bientôt avoir des bébés. D'ailleurs, je vais te remettre dans ta cage, comme ça, tu pourras te reposer. Hop! Et voilà! Je te mets là. Oh, Olivia va être tellement contente quand elle va te recevoir. T'es vraiment le cadeau parfait. C'est tellement palpitant. Père Robert, viens par ici. Oui, Saint-Nicolas. J'arrive, Saint-Nicolas. Tout de suite, Saint-Nicolas. Et voilà, je l'ai bien eu. Père Robert, tu n'as pas le droit de jouer avec les cadeaux des enfants. C'est pas vraiment Saint-Nicolas, hein. Bon. Maintenant, je vais remballer le cadeau d'Olivia pour pouvoir lui envoyer. C'est parti. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, regardez. Mais c'est trop minouche. C'est une maman cochon d'Inde. Mais elle a accouché d'un bébé cochon d'Inde. Oh, c'est trop mignon. Oh, regardez. Il y a même un cadeau avec. Oh, des petites lunettes de soleil. Mais c'est trop cool. Attendez, je vais lui mettre... Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regardez! Vous pouvez même noter son nom! Alors, toi, tu vas t'appeler Bob, et toi... Bizarre, Saint-Nicolas m'a appelé, mais il est introuvable. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je range le cadeau d'Olivia, comme ça on pourra l'y envoyer. Baliverne, tu jouais toi aussi! Ah, donc tu admets avoir joué toi aussi? Absolument pas! Je jouais pas, je testais pour voir si c'était le bon cadeau de rêve. Mais continue de remballer le cadeau de rêve d'Olivia. Je dois m'en aller. T'en aller? Oui, je dois m'en aller. Mais qu'est-ce qui se passe?